Bonjour à tous les petits potes, j'espère que vous allez mal. Aujourd'hui, nous sommes dans le trou du cul du monde. Putain. Nous sommes à la Maquina, c'est à environ 45 minutes de Poitiers. Et la boîte, voici la boîte. Elle fait toute petite, on dirait un hangar à chevaux. Bon, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Une porcherie? Non, pas du tout. Comment ça s'appelle un hangar de chevaux? Putain, j'ai oublié, j'ai la flemme de demander aux gens. Bon, vous avez compris le délire. Bon, on est parti de Paris vers midi. On a eu environ 5 heures de route. C'était interminable. Et en plus, ici, il y a des chemins, ils sont grands, ils font 4 cm. Et nous, on a un bus, il fait 8 cm. C'est une galère pour rouler. Mais on est arrivé là. Toute l'équipe est arrivée parce qu'il y a une autre voiture qui est arrivée de Nîmes. Il y a une voiture qui est arrivée de Lyon. Il y a une autre voiture qui arrive de Dijon. Frère, c'est une galère intergalactique. Et oui, il y a une fille qui nous a posé un lapin. Hier soir, elle nous a dit « Ouais, ok, moi je serai là. Oui, il n'y a pas de souci, l'organisation, c'est comment ?» Et là, on a mis le réveil à 10h du matin. Plus de nouvelles. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il est quelle heure? Dans ma montre imaginaire, il est environ 18h. On n'a toujours pas de nouvelles de la fille. Je pense bien qu'il faudrait qu'elle ait bien niqué ça. Non, je rigole, ça se trouve, elle va regarder le blog. Mais on s'en bat les couilles. C'est un faux plan, ça se fait pas. Non, ça se fait pas aussi, ça aussi. Bon, je vais vous présenter l'équipe. La discothèque. Il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Il s'appelle Robin. Il est très gentil. Il est souvent à Disney. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui le connaît. Connaît. Frère, faut vraiment que j'achète un orthophoniste. Ouais, c'est parti. Robinizi, ça déchire. Il y a Enzo, que tout le monde connaît. Bonjour, bonjour. L'homme qui a de la chance de ne pas acheter du gel tous les vendredis après-midi. Ça, c'est un génie. Des économies de shampoing. Et je vous présente... Robin, le seul, l'unique, ouais, qui a dû tuer pas mal de moutons avant de venir ici, sur la route. Comme je vous ai dit, la route, elle est un peu perdue. Elle a plu là-bas. Ouais, regardez comme c'est beau. Il y a rien. Si on regarde bien là-bas, il y a peut-être la Statue de la Liberté, mais bon. Ok. Donc là, ils sont en train de mettre l'arc-en-ciel géant devant l'entrée de la boîte. Putain, il y a Robin. Non, mais Robin, faut que je reste plus longtemps avec toi. Ça fait trop plaisir. Hein? T'as vu ce que je viens de faire? T'as fait quoi? J'aime sauter par-dessus la porte. Ah ouais? C'est quoi ton Insta là? Ah non, vas-y, je fais pas ma pub. Vas-y. Je fais pas ma pub. Fais comme ça, genre. Mais mon privé? Non. Non. Ton Instagram de star. Ah, Rob Sparkle. Ok. Zevardi. Bon, on va voir les filles. T'as vu les filles? Ouais. Ouais. Elles sont à l'intérieur. Ok, direction l'intérieur. Et on est avec Léa qui nous vient tout droit de le sud de la France, direction la Camargue, le soleil, la garrigue, les chouchis. Les non, pas non, ça s'appelle déjà là. Les espèces de machins là, les chouchous. Ouais. Non, les trucs longs et mous là. Les churros. Les churros, exactement. C'est quoi? Oh frère. Bon, on passe à Lorraine. Comment ça va Lorraine? On a fait de la route hein. Oui. Et là, à ma gauche, il y a Marie-Ange. Marie-Ange qui s'est couchée à 8h pour un réveil à 8h15. 9h. 9h. Ouais. T'as dormi 20 minutes. Ouais. C'était culte. Oh, Marie-Ange, tu m'as jamais dit que ton papa, il usait l'American Borderline. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est ce que tu as montré, ouais. Tu peux montrer aux internautes? T'as vu, toi? Non. Bah, venez avec moi. Il y a le papa de Marie-Ange qui fait l'American Borderline. C'est un truc de ouf. Alors, nous sommes aux toilettes. Aux toilettes. Voyez, là, c'est là où les hommes sortent leurs zizi pour faire pipi. Voilà. Et il y a le papa de Marie-Ange. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Oh, papa. Fais-lui la bise. Ah, on non. Ah, pourquoi? Mais non. Allez. Non, il fait peur. Bon, bah, check-le. Non, il me fait peur. Ah ouais, tu veux pas du tout? Ah non, je le renie. Tu vas même pas chier toute la soirée. Non, je renie mon père. Ah bah super. Et il y a Gaël. Est-ce que c'est le pull que je t'ai tricoté? Oui. Et bah franchement, exactement. Ça me touche. Il est pas trop beau? Franchement, une note sur 10, bah, je dirais un bon 2. Hein. Mes frères. Frère, on invente des cheveux. C'est une serpillière. Oh, c'est vrai que mes cheveux, ça va pas du tout. Hein. Pourquoi tu fais ça, Jules? Ah, c'est Jules Nevesh. Ah merde. Donc voici la boîte. Vous avez vu, de l'extérieur ça paye pas de mine. Mais en fait
c'est vraiment immense et pas mal. Et là, il y a le jeune... Coucou tout le monde. Erwan qui est là. Le jeune. Ça va. T'as quel âge? 40? 40 bientôt. 40 bientôt? T'as 39. Voilà, c'est ça. Bon, c'est stylé. Alors, montre-nous un peu ta boîte. Elle est où ta boîte? Je sais même pas où elle est sur la carte de la France. Alors, la carte de la France, on se trouve à mi-chemin entre Châteauroux et Poitiers. Ok. Voilà, il y a beaucoup de campagne et on est là, à cet endroit-là. On est perdu là. Dans un petit coin paumé, mais on est super bien. Ouais. Voilà. Donc, on a pas mal de gens qui sortent ici, qui viennent de la région de Montmorillon, Chauvigny, Le Blanc. En fait, ça fait comme un triangle. Et, c'est triangle des Bermudes ici. Voilà, exactement. Okay. Les jeunes du secteur sortent chez nous. Et ils meurent après. Ça, non. C'est une chose qui arrive. C'est nul de dire ça. Ouais, c'est con. C'est débile. Mais en fait, le triangle des Bermudes, ils meurent tous. Ouais, non, mais Halloween, c'est bientôt. Ah oui, voilà. C'est le warm-up de Halloween. Est-ce qu'on dit maintenant ce que tu vas faire ce soir? Ou c'est la surprise? Surprise. Vous allez voir, ça va être incroyable. Bon les gars, la décoration avance super bien. Je vais vous montrer la scène. Voici la fameuse scène de ce soir. Avec le panier bien sûr, le trampoline et l'arc-en-ciel. Là, les petits mecs, ils sont en train d'installer le Bob qui sera au bar. Là, on a mis une Pokéball. Ça, c'est pas à nous. On va mettre une Pokéball ici et on va mettre... On a déjà mis une Pokéball là, mais celle-là, elle est vraiment trop grande. Elle fait 1m60. Elle est immense. Regardez le bus comme il est beau gosse. Là, il y a la porte d'entrée et les gens, dès qu'ils vont rentrer, ils vont voir le bus. Hey, grosse bite. Oui, c'est moi. Elle est pas belle cette Pokéball là? Elle est super. Putain, la caméra elle fait petit, hein, regarde. Non, elle est bien belle, elle est bien belle. Elle fait 1m60, hein. Le bus il fait 4 mètres sur 4 mètres. Ouais, juste pour vous dire que la porte est là. Et là-bas il y a Robin. Robin il fait 1m80. 10 peut-être. 88? Ok. Donc c'est pour vous dire un peu l'énorme baloche du monsieur quoi. Elle fait ma taille. Elle fait ta taille la baloche? Heureusement qu'on te l'a arraché hein. C'était trop lourd. Bah ouais. Après c'est bien quand tu peux t'en servir comme pouf. Ouais, je peux m'asseoir dessus. Je peux même rebondir des fois. Ah ouais, de marcher. Genre dans Paris tu te promènes en rebondissant. Avec tes grosses couilles. Ouais. Bah ça c'est stylé. Ah oui, ce soir c'est quoi? Pizza. Et qu'est-ce qu'on a à manger à midi? Pizza. Ah non, y'a que moi qui ai mangé pizza. Ouais. Vous avez mangé McDo. Bah. Aujourd'hui on mange équilibré hein. Équilibré. Faut prendre des forces hein. C'est fast-food, c'est équilibré, moi. Bah ouais. Ils sont vegan et tout, c'est ouf. Eh les gars, on est arrivé à l'Hôtel de France. Dans la ville la plus perdue d'Europe, il y a Monsieur Tomate qui gère nos pizzas, Uber Eats. C'est quand même improbable. Ouais. Tu vois pas? C'est chaud. En fait, là-bas, il y a le restaurant qui s'appelle Improbable. Et il a l'air d'être vraiment succulent. Oh non, Marie-Ange. Elle est trop choupi. On dirait un bébé. T'es chafouin, hein? Ah, ça oui. T'as dormi combien de temps? J'ai pour dormi le rappeler. 2 heures. C'est large. 3 peut-être. Ouais. Pff, quelle vie de merde. Bon. C'est une épicerie ou un hôtel? Du clafoutis. Tu veux quoi? Du clafoutis. Ouh, du clafoutis. C'est parfait. Oh non, du clafoutis aux abeilles. Au Mirabelle. Waouh, je ne sais pas lire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Putain, il y aurait petit cum avec toi? Là, il se serait régalé, là. L'hôtel, franchement, je me chie dessus. Il fait vraiment peur. Mais la fille, on dirait qu'elle avait fumé 8 pétards. Elle a fumé 14 pétards. Ouais, vraiment. Elle me l'a dit, là, entre. Non, mais attends, les filles, vous êtes trop bien, là. C'est vrai, vous êtes pas mal. Là, il y a un grand lit, je pense que c'est celui de Marie-Ange. Bah non, parce qu'il y a Lou, faut que Lou, elle dorme. Ah oui, Lou, le loup-garou du campus. Ah non, mais ça, c'est mon lit. Ah, mais frère, il y a 5. Il y a 5 chambres. Non, putain, je suis con. Chambres. Non, il y a 5 lits. Non, il y a 4 lits. Un loup voulait me taper contre la porte, mais si. J'imagine, elle rentre, elle se fait taper par la porte. Putain, stylé, la salle de bain. Grande baignoire, ouais. Bof. Grande baignoire. Ça sent bizarre. Ouais, ça sent le cul, quoi. Ça sent le vieux cul pas très bien essuyé. Ça, c'est l'effet moquette. Ah ouais? J'adore la moquette. On va en arriver, les filles, on va poser notre chambre. On va visiter notre chambre. Ça marche. À toutes. Frère, t'as vu les portes? Oh non, frère, ils nous ont mis à côté.
J'espère que la dame, elle pète plus vite que son ombre. Tu vas réveiller la chambre 34. Oh bah ça va, c'est stylé, hein. C'est fouette. Mais ça, ça, là, ça sent le cul de chèvre. Ça sent le cul de fromage de chèvre. Ah oui, ouvre, ouvre. La salle de bain, elle est comment? Oh, t'as vu, les toilettes, elles sont tordues. Elles sont pas au milieu d'un mur. Elle est... Elle dans le trou, là. Ah ouais, oh ça va. Ça fouette, hein. Oh putain, ça pue la mort. Oh, il y a des pansements. Ça. Là. Je pense que c'est une douche blessée. C'est bizarre, hein. Bon, là, on va dire à tout le monde de se rejoindre dans la chambre des filles pour manger la pizza de la mama de fils de puta. Ouais, bah, bon appétit, hein. Voilà. Toi, t'es prêt à te coucher juste après. Ouais, je mange. Toi, t'es bien, toi. Il manque une petite bougie, quand même. Voilà. On regarde quoi, là? Bah, pas fou, hein. Bon, bah, bon appétit, les loustiques. Et j'ai pris une pizza 4 fromages avec un petit supplément 9. Je pense que jamais personne dans la vie l'a demandé ça. Ah ouais? Voilà. Franchement, ta pizza, elle donne pas envie. Hein. Bon, elle est très bonne. Ah ouais? Bon, ouais. Toi, ton chef. T'as pris quoi? T'as pris le même? Ah non, frère. Non, t'as pas de champignons? Non. Ah. Et il y a loup-garou du campus qui vient après? Oui. Mais pour l'instant, elle est pas là. Non, je lui ai pas dit que c'était là. Ah. Bah, elle va aller à la boîte. Oh merde, c'est une nouvelle fille qui va nous rejoindre. Mmh. Mais vraiment, votre chambre, on dirait la chambre de Blanche-Neige. Avec tous les lits, là. Ouais, ouais, pas ouf la blague, hein. Mais ouais, je l'ai ressenti. Pas fait, droit fait. Non, non. Putain, ces gros chiens, ils ont pas mis de... Ils ont pas mis de couteau et ils ont même pas coupé. Du coup, avec ce petit cure-dent là, j'essaye de faire un trait. Ça marche? Mais frère, ta pizza, c'est de la bouillabaisse. Tu rappelles ce que t'as mangé à midi? Oh non, j'ai cassé. J'ai mangé... J'ai mangé un truc rien à voir. J'ai mangé à Pizza Hut. Ça, c'est pas Pizza Hut, je pense. Non. C'est du pizza... Hot. Tu peux bon, couper? Bah voilà, tu peux couper. Bon appétit. Hein. Frère... Bon, ça y est, les gars. Il est minuit 14. Je vais aller en bas. C'est qui ce beau... Bah, c'est moi. Je suis con. Allez, je vais voir les filles si elles sont prêtes. Bonsoir les filles. What time is it, please? Is it minuit 17? Ah! Ah! Ah. Coup dur! De toute façon, on attend Luna! Elle est où, Luna Park? Pas mal! Luna? Pas mal! Pas mal ou pas, Luna Park? Très bien, bravo! Elle est où, Luna Park? Luna Park, elle était il y a... À Fréjus, il y a 10 minutes. Il y a 11 minutes, elle était à 13 minutes, donc elle devrait arriver d'ici 2 minutes. Je vais essayer de l'intercepter en bas. T'es un joueur de foot? Mais elle sait pas qui t'es, elle va avoir peur. Oh, c'est encore mieux, putain. Oh, à toutes. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a un truc qui vous a trahi, c'est qu'il y a un sac là-bas dans le couloir. Oh putain. C'est le sac de Robin. Bravo à vous, monsieur. Bienvenue à Poitiers. Bienvenue à Poitiers. Putain, c'est combien de temps vous êtes là? Ça fait 5 minutes. C'est vrai. Et Marie-Ange, elle est pas prête. Non, non, je te l'avais dit, hein. C'est la meuf la plus en retard d'Europe. 40, t'avais dit? Ouais. Ouais. Bon, je vais essayer de voir la nouvelle qui va arriver. Elle sait pas qui je suis. Donc je vais essayer de faire un prank. Elle est arrivée? Hein? Elle est arrivée? Non, elle est par là. Je vais essayer de l'intercepter dehors. Non, viens, on va l'agresser. Oh non. Comment? Je sais pas si tu penses que je rencontre une personne, mais je crois que oui. Vous allez où? Je recherche l'hôtel de France. Ah, l'hôtel de France, c'est là. Nous, on habite en face. On va à la discothèque. Est-ce que vous allez à la discothèque? Ok, je vois rien. Wow. Ah oui, si, c'est bon, j'ai vu. Salut, Roby. Salut, Roby. C'est qui, Roby? Non, il n'y a pas de Roby, là? Il n'y a pas de Roby. Non. Non, on ne connaît pas ces gens-là. Mais apparemment, ce soir, ils sont à la discothèque.
La machina. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Ah ouais. Là, on est dehors, on va à la discothèque, mais juste avant, on va appeler les esprits pour voir s'ils sont là. Et apparemment, ils sont tous dans l'hôtel France. Okay. Donc l'entrée, c'est à gauche. Là ? Ouais. Non, l'autre gauche. L'autre gauche ? Ouais. Ok, là. Au revoir, madame. Au revoir. Attention, vous n'êtes pas seule. Je ne suis pas seule. Coucou ! Pardon. Coucou ! Il est quelle heure, madame, s'il vous plaît ? Minuit 45. Ah, elles arrivent. Voilà. Robin des Bois de Boulogne ? Oui. Il est quelle heure ? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as ? Minuit 45. Toi, t'as vous trop mangé de pizza, vous toi. Bruissant. Ou t'as pas encore digéré ta pizza ? Ça doit être ça. Y'a qui ? Ouah, Marie-Ange Poppins ! Ça va, vous ? Ça va mieux. Ouais. Derrière toi, y'a Luna Park. Ouais. Tu connais Luna Park ? Ouais, je suis contente. De... Regardez qui voilà. Y'a jeudi. La sœur de mercredi. Bientôt sur Netflix. T'es prêt à faire le tour de France ? C'est pas... Mais qu'est-ce que tu fais, Robin ? Tu vois rien ? C'est là horrible. Ah, ouais, là j'ai besoin de toi pour filmer le Tour de France. Aujourd'hui, on va battre le record du monde. On va faire 2 tours en moins de 15 secondes. Chrono, c'est parti, let's go ! Let's go ! Ton bateau le record du monde, je ne sais pas. Bon, c'est au tour du petit panda de pousser Monsieur Tomate. 4, 3, 2, 1, Zébari ! C'est une catastrophe. Je pense que vous n'avez pas gagné. Ouais, j'ai la tête. Ah, t'as la tête. Bah oui. Comment ça se passe dans cette petite boîte rouge? Attends. Ça va les girls? Ça va. Ah. Essaye de faire la même pose. Baisse un tout petit peu ta tête vers le bas. Voilà, et tu lèves les yeux comme ça. Ok. Oh là là, mais regardez comme ils sont beaux avec son petit caddie de supermarché au champ. Ouais, tu vas pousser avec lui. Ok. Et là, en fait, il faudrait qu'on refasse comme on avait fait. Les filles, elles sont comme ça et elles font ça. Allez, les deux. Sourissez. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Tu lui as fait un petit bisou. Oh là là. Oh le coquin. Je rougis. Putain. Je me mets debout ou assis ? T'es mort, on dirait trop, il travaille à Disney. Poussez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Comment ça va, Robin ? En vrai, comment tu te sens ? Ça t'es va. Stressé ? Non, je suis. Ça va ? T'as peur ? Ça va, là ça va. Pour de vrai ? Ouais, vraiment, là ça va. Ok. Est-ce que tu vas te jeter dans la foule ? Si le panda le fait. S'il le fait, je suis obligé de le faire. Non, 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 c'est l'ancienneté qui commande pour qu'il le fasse. J'ai trop envie de le faire. Il l'a fait 20 fois le panda. Non, c'est faux. Ça t'envoie la balle. Ouais, si, c'est pour qu'il le fasse. C'est un cours de tennis là. Si, c'est pour qu'il le fasse, je le sais. J'ai trop envie de le faire. Bon les gars, direction les platines, ça va être une soirée culte, ça va être trop bien. L'équipe est quasiment prête, ouais, on a fait des petites photos, on a fait des petites vidéos, c'était plutôt sympathique. Là je vais prendre les platines, je suis un peu stressé mais c'est comme ça, c'est la vie. Direction les platines, la scène, le show va commencer, c'est bardu. Hey!
Mon copain. Les gars, il est 5h du matin. J'ai mixé plus de 2h30. La soirée était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Le public trop gentil. Le public, ils étaient ouf et tout. Mais il y a un problème. Un très, très gros problème. C'est que j'arrive en loge. Il y a que des filles. Il manque les deux mascottes. En vrai, on a fini le temps de soirée. Il y a les deux mascottes qui sont encore parties sur la scène. Ils foutent le bordel. Ils sont trop cool. Ils rendent fous les clients. Je vais essayer de les filmer maintenant sur scène. Alors que le show est terminé et qu'il reste plus grand monde dans la boîte. Hein.